Eh bien, salut tout à tous, ici Paradox, on se retrouve pour ce 10e épisode, non, 10e déjà, non, 9e, je crois, épisode de notre aventure sur Lego le Hobbit. J'espère que vous allez bien, moi, ça va nickel. Dans le dernier épisode, on avait Bilbon qui avait enfin chopé Stano, enfin, qu'il avait volé à Gandalf, clairement, Gollum. La forêt, un étrange pressentiment envahit les membres de la compagnie. Il n'était pas seul. Avait-il été suivi depuis le royaume gobelin? Ou s'agissait-il d'une autre menace, plus terrible encore? Ok, donc Azog est de retour. Bon, c'est pas que ça me fasse pas plaisir, mais bon, je commence vraiment à me saouler, quoi, Azog. J'essaie de récupérer un maximum de pièces. Encore une fois, on va essayer à 100%. On a une mini-kit. On a un mini-kit. Ok. Tac, on va vraiment faire tout ce qu'on peut. Là, il y a une construction à faire. Un point de sauvegarde, on va pas l'utiliser maintenant, on a pas besoin. Concrètement. Ok, on peut passer en invisible pour construire certaines choses. Ok. Ok. Intéressant. Donc, toi. On va faire tout ce qui est possible là. Et après on récolte les objets. Bon. Ok. Ok, j'ai obtenu un trésor aussi. Ok. Le premier de l'aventure. Oh, par contre, pas changé l'équipement. Ah, prends ton épée, s'il te plaît. Pas abusé non plus. Haha, je t'ai vu. Par toi. Hop, on dégage.
Non. J'ai utilisé un truc, mais ça marche pas. Du coup, ça c'est pas mal le système d'équipement, honnêtement, j'aime beaucoup. Ok, donc là, il faudra à la gaffe. Ah. Haha. C'est pas ce que je voulais faire. Mais alors, pas du tout. Oui, bah attends, calme-toi. Comment pas que c'est un 100% pièce, toi, mais c'est important. Ok, bon. On va pouvoir grimper maintenant. Non. Est-ce que j'ai le pouvoir berner le jeu? Non. Le jeu est plus intelligent que moi. Non, j'arrive pas à l'attendre. Wow! Attrape! Donne-moi la corde! Je peux... De la corde! La corde! Il va tomber aussi. Nion. C'est génial, j'adore. Nion. C'est pas du tout, je vois pas du tout l'objectif en fait qui veut me faire. Je crois que je suis un peu loin. J'ai l'impression qu'en fait je peux juste tuer les tuyaux. Ouais non, je ne tue pas. Non. Le retour d'aveugle. Bon. Je dirais même le retour d'aveugle contre Thorin.
Sauf que cette fois, on va pas l'épargner. Je pense. Enfin. J'espère qu'on va pas l'épargner en fait. Quoi, sérieusement? Je te déglingue dans tout coin. Nettement supérieur à toi. Allez, hop, casse-toi. Il y a plein de matériaux partout. Alors, comment est-ce que... Alors, à mon avis, il faut l'attendre. Simplement. Bon. Ah. Quoi? En restant. Mais ne cherche pas, tu es nul. Mais j'arrive pas à monter. Voilà.
et on a en partie échoué contre Aveugle. Bon, en tout cas, voilà, j'espère franchement que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, allez, salut à tous, c'était pas l'heure. Bye tout le monde, allez, bye bye. Et on a débloqué, voilà, débloqué ça, donc on en a raté a priori pas mal. Ok. Allez. Bye bye tout le monde, bye bye. Puis-je me joindre à vous? Cette rencontre n'est pas un hasard, Gandalf. Non, en effet. La montagne solitaire me préoccupe, Thorin. Le dragon y est installé depuis trop longtemps. Tôt ou tard, les esprits malveillants se tourneront vers Erebor. Reprenez votre terre. Unissez les armées des nains. L'Arkenstone! C'est la seule chose qui les unira. Et si je vous aidais à le reprendre? L'Arkenstone se trouve aux confins du monde, enfoui sous les pattes d'un dragon cracheur de feu. C'est pourquoi il va nous falloir un cambrioleur. La Horde est proche? Trop proche!